excellence. À vous en excellence. Spécialement d'être ici, au Niger, dans ce palais présidentiel, auprès de mon frère, le président Mohamed Bazoum. Je suis venue le féliciter. J'ai raté la cérémonie d'investiture, mais ce n'est pas l'envie qui nous avait manqué. Je connais le Niger depuis 1993. J'ai eu l'honneur de diriger deux missions d'observateurs pour le compte de l'OUA à l'époque, pendant les élections présidentielles et législatives dans ce beau pays. Je suis heureuse d'être de retour. J'ai exprimé au président Bazoum toutes nos félicitations pour ce que le Niger nous a appris sur le continent, une transition démocratique paisible de pouvoir, ça c'est très important. Ensuite, je l'ai félicité pour le travail qu'accomplit le Niger en combattant le terrorisme et l'extrémisme religieux, d'où qu'il soit. C'est un fléau et qui nous touche tous. On ne peut pas dire que nous sommes à l'abri tant que nous n'aurons pas pris les précautions qu'il faut, et tout en apportant mon soutien sur les pertes considérable que le pays subit, mais en faisant le travail qu'il faut, nous sommes tous ensemble parce que nous faisons la même chose de l'autre côté du continent. Ensuite, c'est une très grande opportunité pour moi pour de faire un compte-rendu à mon frère, le président, sur la situation dans mon pays, dans le nord de l'Éthiopie. La situation avec nos voisins, surtout le problème frontalier avec un pays frère, le Soudan, les sixièmes élections générales que nous allons avoir dans quelques semaines, dans un peu plus de 3 semaines en Éthiopie, en espérant que nous y œuvrons de toute façon, que ce soit une source de des élections paisibles, crédibles, et soient source de progrès pour la population éthiopienne qui en a tant besoin. Et le point important que nous avons discuté aussi, c'est le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le fleuve, le Nil, que nous appelons Abay dans nos frontières, et qui contribue à 70% des eaux du Nil d'une façon générale. Plus de 65% de nos populations n'ont pas d'électricité. C'est un barrage hydroélectrique qui n'a pas vocation à retenir l'eau, mais à produire l'électricité dont on a besoin pour notre développement. Et voilà, donc c'est pour expliquer aussi cela. Le Niger est l'un des 3 pays qui nous représente dignement au Conseil de sécurité des Nations Unies, évidemment nécessaire d'apporter des explications et de tenir nos amis informés. C'est ce que j'ai essayé de faire à cette heure tardive de la journée, en un jour du Ramadan. Je m'en excuse, Monsieur le Président. Merci pour le temps que vous nous avez consacré, mais c'était cela. Africaine convaincue que je suis, c'est très important qu'il y ait ce genre d'échange. Il n'y a pas de distance qui sépare les pays. Nous sommes un même peuple, un même continent. Et si nous y mettons des nôtres, on peut y arriver. Le Niger nous a montré la voie dans ce sens. Je crois que c'est un excellent exemple
qu'il nous faudra suivre. Je suis très heureuse de venir dans ces circonstances, moi qui ai vu plusieurs de vos élections et des péripéties douloureuses aussi. Merci beaucoup. Oui,